So, have you ever wondered how to almost perfectly fake an email? Then you might be actually in the right talk here. We have our next speaker, Andrew. Notre prochain speaker, Andrew. Of Latvia as a security researcher, and he's going to et talk un about chercheur en sécurité counterfeiting et va nous parler de la contrefaçon de mail et des stratégies modern anti-spoofing. Qui nous permettent Stage is yours. Qui vont nous permettre cela. Merci de l'applaudir. Bonjour, je m'appelle Andrew et je travaille pour la sécurité en Latvia, la sécurité lettonne. Donc, ce qu'on fait principalement, c'est d'essayer de rendre les gens conscients des bonnes pratiques. Donc, on n'est pas les seuls. Des organisations gouvernementales dans d'autres pays font la même chose. Cependant, pour être honnête, nos avancées actuellement sont plutôt pas mal. Donc, si on regarde par exemple ici l'usage au niveau mondial d'une technologie particulière, des marques, sur la gauche. Donc, on peut voir que donc, dans les deux groupes qu'on peut voir ici, il y en a deux tiers qui n'ont même pas configuré des marques. So if there is just one key takeaway from this talk, I hope that it will be that everyone should start. S'il y a quelque chose à retenir de ce talk, c'est bien que il s'agirait de commencer à utiliser au moins cette technologie. Donc, une explication pour ce faible taux d'adoption à l'heure actuelle, c'est que à l'heure actuelle, il y a beaucoup de technologies concurrentes. Donc, j'ai essayé de réduire ça autant que possible dans le contenu de ma présentation, mais comme vous pouvez le voir, je parle quand même de au moins trois choses différentes. Donc, il y a un problème dans le fait qu'il y a trop de buzzwords, trop de technologies. On ne sait pas lesquelles utiliser à quel moment. Et je pense que maintenant, on commence à trouver une façon de résoudre ces problèmes. Donc, en particulier, les tests d'intrusion. Donc, quand un test d'intrusion a été fait, que ses résultats ont été publiés, ça devient impossible de dépasser la question de est-ce qu'on utilise plutôt la technologie ou le A ou la technologie B. On peut commencer à parler des problèmes intéressants, c'est-à-dire est-ce que c'est possible pour une entité de commencer à spoofer des emails venant de votre entreprise. Donc c'est ce pourquoi mon audience principale ici, ça va être les gens qui font des tests d'intrusion. Mais bon, d'autres gens ici peuvent être intéressés, par exemple les sysadmins. Même si vous avez déjà des connaissances à ce sujet, bien sûr, cette présentation va pouvoir peut-être vous permettre d'approcher les choses selon une perspective un peu différente. Et donc, des fois, il y a des choses qui ne sont pas si faciles
à comprendre que par exemple SMTP, comment ça fonctionne, comment on va pouvoir effectuer du spoofing sur tout ce qui est mail. Ça va, et du coup ça va être intéressant aussi pour des gens qui débutent un peu dans le milieu. Donc l'envergure de la menace. Donc c'est vraiment un sujet très large. Moi je vais m'attacher seulement à la partie qui concerne comment spoofer des mails, comment réussir à spoofer des mails. Donc, dans les tests de sécurité, parfois il y a des choses qui, enfin, le spoofing il peut se faire via phishing ou spear phishing, mais une approche qui est vraiment efficace c'est via le social engineering, pour autant que je sache. Et ça, ça nous permet de montrer aux clients quels sont les risques effectifs en fait. Mais si dans un rapport de pentest, on parle seulement de social engineering, les personnes qui lisent le rapport, les managers, ils vont se dire que le meilleur moyen d'aller contre ça, ça va être de sensibiliser les gens. Mais il faut aller plus loin que ça. À l'heure actuelle, on ne peut pas s'attendre à ce qu'on demande aux utilisateurs de vérifier les headers présents dans les mails, par exemple. Avant qu'on passe aux aspects techniques, il y a un petit secret qui pourrait aider les gens qui ne travaillent pas dans l'industrie du mail à comprendre tout ça. Donc, pour les administrateurs qui gèrent des serveurs mail, historiquement, ce qui leur importe le plus, c'est la disponibilité de leur service et leur fiabilité beaucoup plus que leur sécurité. Donc, par exemple, si vous gérez les mails dans une entreprise et que les clients arrêtent de pouvoir recevoir des mails, le management va probablement assez rapidement vous demander sympathiquement de corriger tout ça. Mais c'est pas forcément de votre faute, ça se pourrait que le problème soit pas de votre côté. Un autre exemple, si certains de vos employés ne peuvent pas recevoir leur mail assez rapidement, par exemple pour faire un reset de password, une vérification, un token d'authentification, ou ne peuvent pas se loguer sur un système important, alors il va falloir résoudre ça rapidement. Mais si le système est vulnérable à certains problèmes de sécurité, a priori, il n'y a pas d'utilisateur ou le management qui va le remarquer. Alors, du coup, maintenant, on peut enfin commencer à parler de la partie technique. Donc, je vais commencer par une petite introduction au protocole SMTP. Donc, SMTP, c'est le protocole qui sous-tend toute la communication par email. Donc, c'est assez facile à suivre. Donc, voici le flux de données qui se passe. Donc une personne envoie un mail à une autre personne, donc par exemple Alice envoie un mail à Bob, et bon, ils travaillent pour différentes compagnies et donc ils utilisent différents domaines. Donc ce qui se passe c'est que les deux utilisent des clients email, par exemple Thunderbird. Donc Alice envoie un email par ce protocole SMTP et elle l'envoie à son serveur d'email. Donc ça c'est un serveur de mail sortant. En général, les organisations ont deux types de serveurs email, un pour les mails entrants, deux pour les mails sortants. Donc c'est important pour les tests d'intrusion d'y penser en tant que deux systèmes différents, même si c'est une seule machine. Parce que la configuration peut être différente entre les mails sortants et les mails entrants. Alors, donc là, le serveur d'Alice essaye d'envoyer un mail au serveur de Bob. Donc, le serveur doit essayer de trouver automatiquement quel est le bon serveur à qui envoyer l'email.
Et donc ça c'est fait, voilà, c'est dans cette boîte bleue. Donc c'est les enregistrements DNS de type MX. Et donc ça c'est maintenu par l'organisation de Bob. Donc l'organisation de Bob, si elle veut recevoir des emails, elle définit cet enregistrement DNS et on lui envoie des emails. Qui dit en gros, merci d'utiliser ce serveur pour nous envoyer des emails. Donc le serveur sortant d'Alice connaît l'adresse du serveur entrant de Bob, lui envoie et ensuite Bob reçoit son email. Et donc la partie qu'on va essayer de casser en tant que testeur d'intrusion, c'est cette partie entre le serveur sortant et le serveur entrant. Donc maintenant si on prend l'inverse, on aurait l'impression que c'est juste l'inversion des flèches. Mais si on est du point de vue du testeur d'intrusion, donc en fait, si notre client est l'organisation d'Alice, donc dans le deuxième exemple, quand on envoie un mail de Bob à Alice, alors une partie de cette transaction va passer par les serveurs d'Alice. Alors que si on va dans l'autre sens, c'est pas le cas. Bon, c'est un peu confusant, mais bon, vous verrez bien plus tard. Donc, voilà un autre exemple qui a l'air similaire, mais pas tout à fait. Donc Alice communique avec son collègue qui est dans la même organisation. Et là encore, il va y avoir, en tout cas de manière logique, deux serveurs. Un serveur sortant, un serveur entrant. Mais les deux appartiennent à notre client. Donc, ce qu'il faudra réfléchir, c'est parmi ces trois scénarios, lequel est le plus facile à casser. Et ensuite, on doit regarder à ce qui est vraiment envoyé quand un email est envoyé. Donc, ça utilise le protocole SMTP. Alors c'est vraiment un protocole assez sympa, c'est juste du texte simple. C'est assez facile de jouer avec parce que vous avez juste à ouvrir une connexion au bon serveur et d'essayer d'écrire les commandes à la main. Donc vous pouvez vous amuser à trifouiller, essayer différentes choses et vous voyez en temps réel ce qui se passe. Donc sur la partie droite, vous voyez deux parties définies par SMTP. D'abord l'enveloppe SMTP, donc qui dit hello, qui spécifie un émetteur, un récepteur, par exemple Alice et Bob. Et ensuite la deuxième partie commence par data, et c'est le contenu, le message. Donc si on regarde un peu plus en détail, c'est défini par deux standards. Si vous voulez regarder les détails, c'est un peu important. Donc le message, le contenu SMTP, est constitué lui-même de deux parties, les entêtes et le corps. Donc si vous n'êtes pas familier avec les emails, je pense que tout le monde ici dans le public connaît HTTP, donc c'est un peu la même chose. Donc il y a deux parties, et vous remarquez qu'il y a les adresses d'Alice et Bob deux fois. Donc Alice est sur la deuxième ligne, mail from, et ensuite Alice est encore dans le header from. Et la même chose pour Bob. Alors pourquoi? Alors en fait ça vient de la façon dont on voit l'email. Alors, une personne assez normale qui utilise l'email, on les imagine comme cette chose à gauche, qui est une sorte de carte postale. Et donc, sur une carte postale, y a quelqu'un qui l'a signé, l'émetteur, et puis il y a un récepteur. Et puis, voilà, il y a un message. Bon, c'est comme ça qu'on le reçoit, qu'on apprenne. Et ensuite, pour les administrateurs email, ça ressemble plutôt à l'image à droite. Donc, il y a une enveloppe et à l'intérieur, il y a une carte postale. Donc, il y a deux adresses dans ce scénario. D'abord,
l'expéditeur et destinataire sur l'enveloppe, et ensuite on le met au bureau de poste, par exemple, et à l'intérieur de l'enveloppe, il y a un autre message, le message interne, qui n'est destiné que au destinataire. Donc, en fait, on pourrait mettre toute l'enveloppe dans une autre enveloppe. Alors bon, ça a l'air un peu idiot, mais en fait, l'email permet de faire ça. Et bon, dans les documents standards, bon, il y a tout un tas d'exemples où on voit pourquoi ce serait nécessaire et pourquoi c'est possible, mais c'est effectivement assez, assez perturbant. Alors, d'habitude, on spécifie la même adresse deux fois. Mais quand on fait un test d'intrusion, ce qu'on doit se demander, c'est est-ce que c'est vraiment toujours vrai? Est-ce que c'est pas juste un vœu pieux? Et en fait, le standard ne dit absolument pas qu'on doit mettre deux fois la même adresse, aussi bien pour le destinataire que pour l'expéditeur, sur l'enveloppe et sur le message. Donc, vous pourriez mettre des choses différentes. Alors, en fait, il y a beaucoup plus d'entêtes que ce que j'ai montré. Alors là, je crois que ce que j'ai mis, c'est bon, les entêtes que tout le monde connaît, parce qu'en général, c'est ce qu'on voit. On voit la date, le sujet, l'expéditeur et le distillateur, qui est en général vous-même. Bon, il peut y en avoir plus. Et une autre question, c'est si on a, bon, par accident ou pour une autre raison, spécifier des adresses différentes entre l'enveloppe et le message, laquelle le destinataire va suivre, va voir. Et en fait, c'est celle qui est dans le message qui est destinée au destinataire. Alors, si on regarde dans le standard, il y a un peu plus de headers. Et en fait, il y en a trois qui sont sémantiquement très très proches. Donc, dans le standard explique quand est-ce qu'on doit utiliser chacune. Alors, bon, ce qui est assez drôle, c'est que le from, par exemple, quand on le voit, il ne devrait pas y avoir plus d'une adresse, mais en fait, le header peut contenir plusieurs adresses. Alors, j'ai jamais reçu d'email avec un from avec plusieurs personnes, mais c'est possible. Alors, bon, ce qui est important dans ce standard, c'est la compatibilité ascendante. Et c'est pour ça qu'on doit avoir au maximum un seul de ces headers, et etc. En fait, donc vous pouvez de fait envoyer des emails avec plusieurs fois le même en-tête, ou alors sans aucun sender. Et en fait, bon, en pratique, bon, c'est incorrect, mais ça va marcher quand même. Et la plupart des clients vont faire de leur mieux pour parser quand même des messages, même les plus mal formés possibles. Donc, c'est mieux de faire comme si tout allait marcher en général. Et pour les tests d'intrusion, ça veut dire qu'en fait, on peut jouer avec ça. Parce qu'il y a différentes implémentations, et puis, par exemple, savoir exactement lequel des deux headers sera choisi, ben, c'est totalement dépendant de l'implémentation. Donc, comme il y en a vraiment beaucoup, là, dans la nature, et qui sont faites de différentes façons, ben, en tant que testeur d'intrusion, vous pouvez essayer différentes choses. Donc, maintenant qu'on a vu ces bases, on va passer à comment vraiment essayer de spoofer des mails. Donc, si on revient à ce schéma qu'on a déjà vu, donc Alice envoie un mail à Bob. Donc, on a Chuck, une tierce partie, donc par exemple un pentester. On a le droit de faire ça. Donc, on va essayer de spoofer un mail de Alice à Bob. Donc, l'idée, c'est qu'on va envoyer un mail à Bob. Et il faut que ce mail, il ait l'air d'avoir été envoyé par Alice. Donc, par exemple, un problème qu'on a eu en Lettonie, c'est celui des fake news. Donc, tout ça, ça va être utilisé contre des entités gouvernementales.
où des éléments faux ont été envoyés, soi-disant par des entités gouvernementales à des gens. Donc vous pouvez évidemment imaginer que ce n'est pas une bonne chose. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que même si Chuck essaie d'effectuer une attaque, donc selon votre perspective, contre-attaque ou contre Bob, il faut que ça, que le mail ait l'air de venir de Alice. Donc maintenant, il y a un deuxième type d'attaque. Si on envoie maintenant dans l'autre sens un mail de Bob à Alice, alors dans ce cas, donc on est à nouveau Chuck. Hein. Donc là, le mail va passer sur le système d'Alice. Donc ce qui est intéressant maintenant, c'est dans quelle mesure c'est facile à protéger. Dans ce second exemple, on a l'impression que effectivement le mail passe par le système d'Alice, donc on pourrait se dire que Alice a plus de moyens de se protéger ou de faire quelque chose contre ça. Donc, dans notre cas, même si en fait nous la personne qu'on essaie de protéger c'est Alice, pour nous ça va être plus facile de protéger la personne qui reçoit le mail soi-disant venant d'Alice. Donc maintenant, dans le cas de mails envoyés au sein d'une même organisation, donc si on a un mail qui arrive vers le serveur entrant de Alice, théoriquement, dans cet exemple, ça va être le cas le plus facile où on se rend compte qu'il se passe quelque chose d'anormal. Donc, parce que le serveur entrant devrait avoir toutes les informations nécessaires. Mais en pratique, des fois, et en fait assez souvent, il va y avoir une waitlist précise au sein de l'organisation d'Alice. Et du coup, il y a certaines vérifications qui ne vont pas être effectuées en fait. D'ailleurs, il y a cet exemple. Donc on a vu ça au cours des dernières années, pas spécialement spécifique à la Lettonie, me semble-t-il. Donc on a ce mail qui est faux et qui parle de choses liées à des ransomware. Donc dans le mail on essaie de vous faire chanter et on vous dit d'essayer d'envoyer du bitcoin sur telle ou telle adresse ou wallet. Donc, quelque chose qui se fait assez souvent pour vous montrer qu'on a accès à votre compte mail, c'est d'envoyer un mail depuis votre adresse. Pour la plupart des gens, ça fonctionne. Ils y croient puisqu'ils ont reçu un mail depuis eux-mêmes. Mais comme vous allez le voir, c'est assez facile en fait de spoofer des mails parce que les protections adéquates n'ont pas été mises en place. Donc, j'espère que personne ici ne se fait avoir par de telles arnaques. Mais c'est possible que vous ayez des amis, des collègues de la famille qui aient reçu de tels mails et qui se soient fait avoir. Si c'est le cas, vous devriez peut-être leur suggérer de contacter leur fournisseur de mails et de leur demander de mettre en œuvre les protections adéquates. Donc, maintenant regardons une conversation SMTP spoofée. Donc, on est dans un exemple similaire au précédent. Mais maintenant, on est Chuck. Donc, on envoie un mail à Bob en prétendant être Alice. Donc, en quoi on est dans un cas différent du précédent? Donc, c'est la même conversation. Donc, concernant le protocole SMTP en lui-même, il n'y a pas de protection. Donc, si on est ce gars-là qui envoie des faux ransomware, on peut envoyer ça tel quel et ça a fonctionné dans beaucoup de cas. Mais bien sûr, les gens qui gèrent les serveurs de mail, les admins de mail, sont au courant de tout ça. Il y a eu beaucoup de tentatives d'ajouter des protections.
Donc en ajoutant par exemple des filtres, des choses comme ça, mais pas seulement. Mais certaines de ces protections en fait cassent le standard, l'RFC. Mais l'RFC c'est pas un texte sacré, donc bon. En fait un problème c'est qu'il n'y a pas assez d'informations, donc si on revient ici, si on est Bob et qu'on essaie de protéger nos systèmes, donc on est le système admin dans l'organisation de Bob, donc on essaie d'ajouter quelques règles, qu'est-ce qu'on peut vraiment faire? Donc, un exemple, c'est de faire ce qu'on appelle un callback SMTP. Donc quand on va recevoir un mail d'Alice, on va vérifier est-ce que ce mail, est-ce que cette adresse mail existe vraiment. Parce qu'en fait, beaucoup de spammers, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer d'envoyer des mails qui viennent d'adresses qui en fait n'existent pas. Enfin, qui ont l'air de venir d'adresses qui en fait n'existent pas. Donc, le callback SMTP, en fait, ça veut dire que lorsqu'on va recevoir un mail qui a l'air de venir une adresse, on va essayer de se connecter à l'adresse qui semble avoir envoyé le mail. Et du coup, si le serveur qu'on a contacté dit « Ok, ce mail existe », ok, très bien. Et si ça n'a pas l'air d'exister, alors on arrête la conversation. Donc, une autre façon de vérifier ça, c'est en utilisant le hello. Donc, normalement, ce hello, il indique le serveur qui a envoyé le mail, d'où a été envoyé le mail. Donc, ce que beaucoup de serveurs vont faire, c'est qu'ils vont essayer de vérifier d'une part que cet hostname il pointe vers la bonne adresse IP, vers la même. Et ensuite, ils vont essayer de faire une requête en reverse DNS sur cette adresse IP pour vérifier que cette adresse IP correspond bien à ce hostname. Donc, en tant que pentester, on est conscient de ça. Parce que si on n'en est pas conscient, on va essayer de faire tourner quelque chose et ça va juste pas fonctionner. Mais en fait, ces mécanismes sont en réalité assez faciles à bypasser et ils offrent que des protections limitées. Donc, comme on l'a vu, SMTP en tant que tel ne fournit pas de protection. Alors, quels ajouts au protocole on peut essayer d'utiliser? Alors, un de ces protocoles, c'est SPF. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye d'être le miroir du système des MX. Donc, le MX, c'est ce que le serveur d'Alice va utiliser pour automatiquement trouver le serveur qu'il faut contacter pour envoyer des emails à Bob. Et donc, SPF, c'est entre guillemets l'inverse. C'est ce qui va être utilisé sur le serveur de Bob. Donc dans l'autre sens, hein, il va requêter le SPF pour savoir de quel serveur sortant on s'attend à trouver les mails d'Alice. Et donc un champ qui est testé, c'est le champ sender envelope. Alors, voici une syntaxe SPF minimale. Alors, bon, c'est assez facile à comprendre, même si vous ne comprenez pas la syntaxe. Donc, c'est l'adresse IP du serveur sortant. Et donc, là, c'est assez facile à comprendre, c'est qu'il y en a un seul. Donc, si on reçoit un message de cette adresse IP, c'est bon, on peut l'accepter, et sinon, on le jette. Et donc dans la norme, on peut spécifier non seulement des adresses IP, mais on peut aussi spécifier des noms d'autres DNS. Donc pour les administrateurs, les testeurs d'intrusion, c'est un peu plus simple. Et ensuite, il y a ces qualificateurs. C'est quelque chose qu'on doit mettre devant les méthodes. Donc, par exemple, bon, ici, il n'y a aucun qualificateur d'aucune sorte, hein, ni plus ni moins, etc. Et donc, c'est le comportement par défaut, c'est-à-dire que tout ce qui est listé dans le record de SPF doit être accepté.
Et en fait, il y a d'autres options qu'on peut utiliser. Donc par exemple, fail, le moins. Donc par exemple, assez souvent, on utilise moins all. Donc ça veut dire que si on match celui-là, alors il faut jeter l'email. Parce que c'est pas bon. Et donc il y a aussi soft fail. Donc ça, c'est plutôt pour les périodes de test, quand on commence à implémenter le SPF. Alors, bon, le problème, c'est qu'en fait, on peut facilement oublier d'ajouter des serveurs SMTP dans la liste. Et puis, donc du coup, si on n'est pas sûr ou qu'on pense qu'on a oublié, alors on en met un seul. Et dans ce cas-là, donc en fait, si on commence à mettre en place le SPF, plutôt que de mettre fail qui est un peu trop fort, donc vous pouvez utiliser celui-là, soft fail. Donc voilà, il y a d'autres exemples un petit peu plus compliqués. Donc par exemple, include. Donc au lieu d'utiliser votre propre politique, parce que par exemple vous utilisez un tiers comme Google, alors dans ce cas-là, vous incluez un autre record. Alors ensuite, on peut regarder un petit peu l'utilisation de SPF. Donc si on regarde la quantité de domaines qui ont défini une politique, c'est plutôt pas mal. Par exemple, si on regarde les domaines les plus populaires, c'est autour de 70%. Mais en fait, la majorité sont plutôt mal configurés parce qu'ils vont utiliser plutôt l'option soft fail. Et ce que ça fait en pratique, c'est rien du tout. Puisque même s'il y a soft fail, en fait, on peut usurper votre email et puis du côté destinateur, on va le voir quand même. Donc bon, le pourcentage est plutôt pas... Donc, maintenant, qu'il y a quelque chose qui est important pour les pentesters, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on va faire. Maintenant qu'on peut se pouvoir... Donc ça ne veut pas dire que pour nous, c'est terminé. Donc, on a des règles, etc. Typiquement, on va mettre à la fin maintenant ce till all. Donc, si on a des mails qui viennent d'adresses, qui ont l'air d'être spoofés, on va d'abord juste rien faire. On va pas les dropper. Quelque chose à remarquer ici, c'est que il y a certains systèmes qui n'utilisent pas cette classification binaire. C'est bien, enfin ça passe ou ça ne passe pas. Et par exemple, dans le cas de soft fail, on va pouvoir avoir quelque chose où si le mail match, on va pas juste le dropper, on va ajouter quelque chose. Quelque chose d'autre, c'est cet include. Donc c'est pratique quand on utilise, quand on fait appel à des tierces parties. Mais en fait, pour certaines people, c'est pas ce à quoi on s'attendrait. En fait, le nom n'a pas été choisi forcément de manière adéquate. En fait, c'est pas à comprendre comme une macro. En fait, l'idée c'est pas qu'on devrait copier tout ce qui est à l'intérieur récursivement. En fait, en cas d'échec, ça va pas juste dropper le message, ça va remonter d'un niveau et ça va essayer de continuer. Donc, une erreur qui est commune, c'est que par exemple, si on oublie d'ajouter ce moins all, alors même si la règle a le moins all, alors ça ne va pas fonctionner. Parce que en fait, un moins all dans include, ça n'a pas la même sémantique qu'un moins all au niveau le plus haut. Donc on pourrait se dire ça va marcher parce que par exemple Gmail il a ce qu'il faut, mais en fait non, ça marche pas exactement comme ça. Donc souvent on voit ce genre d'enregistrement SPF qui contiennent beaucoup de choses.
Donc il y a tout, il y a JP, il y a un enregistreur, enfin il y a un MX, il y a un PTR. Mais du coup, en fait, souvent les administrateurs ne savent pas exactement comment ça fonctionne, ce qu'il faudrait mettre dans les enregistrements. Donc la plupart du temps, la plupart des organisations, à part si elles sont petites, elles vont avoir plusieurs serveurs, donc plusieurs IP. Et pour la plupart, il ne va pas y avoir de raison de mettre de MX dans les enregistrements SPF. Un autre cas, c'est que les administrateurs comprennent ce qui se passe, mais par contre, l'architecture est assez complexe, ce qui engendre de la complexité. Ensuite, un autre défaut, c'est que la granularité est pas extrêmement bien faite. Donc, dans beaucoup de cas, une adresse IP, elle n'est pas liée seulement à un serveur mail. Par exemple, elle pourrait correspondre à un serveur mail et à un serveur web ou à une base de données. Donc, en tant que pentester, on pourrait s'intéresser à un autre service exposé. Parce que souvent sur les serveurs mail, il n'y a pas grand chose, mais par exemple sur un service web, là, on a beaucoup plus de chances d'avoir quelque chose, une vulnérabilité. Donc, un exemple du hosting partagé, qui est quelque chose de très commun. Donc, dans ce cas, on a l'adresse IP d'un serveur SMTP. Donc, ce serveur, il est peut-être seulement utilisé pour envoyer des mails, mais le serveur, il ne fonctionne pas que pour vous. Il peut être utilisé par d'autres personnes. Donc, un attaquant peut utiliser un service quelconque, par exemple, il n'y a même pas besoin d'attaquer quoi que ce soit, il suffit de devenir un autre client et de se débrouiller pour avoir la même IP. Donc, un autre défaut, c'est vérifier le mauvais identifier. Donc, il y a au moins deux identifiers, donc celui dans l'enveloppe, celui qui est à l'extérieur, et ensuite ceux qui sont à l'intérieur, donc par exemple dans le header from. Donc, généralement, SPF vérifie seulement celui qui est dans l'enveloppe, celui qui est à l'extérieur. Mais les utilisateurs qui vont vraiment recevoir le mail, ils vont pas voir celui de l'enveloppe, ils vont recevoir celui qui est à l'intérieur, par exemple celui qui est dans le header from. Donc ce comportement-là, il est fixé par exemple par DMARC. Mais dans la plupart des cas, lorsqu'il y a utilisation de SPF, il n'y a pas une utilisation parallèle de DMARC. Donc ça veut dire que pour un attaquant, la seule chose qu'on a à faire pour passer SPF, c'est de mettre le sender sur l'enveloppe à quelque chose d'autre, qui va permettre de passer le filtre SPF, mais à l'intérieur, ensuite, on va pouvoir utiliser n'importe quoi, par exemple une adresse mail qui a l'air de matcher celle de l'organisation cible. Alors ensuite, du coup, il y a une autre technologie qui est censée corriger ça. Parce que, comme vous avez vu tout à l'heure, SPF, c'est pas assez. Alors, DKIM... Ah, désolé. Bon. C'est Domain Keys Identify Mail, donc DKIM. Alors, qu'est-ce que ça fait? En fait, il fait de la cryptographie, ce qui est quand même sympa. Alors, c'est difficile à casser pour les attaquants, etc. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il signe chaque email sortant qui passe par les serveurs sortants. Donc, tous les emails qui sortent obtiennent une signature vérifiée cryptographiquement. Donc, alors, c'est assez compliqué de comprendre parce que c'est pas censé être lu par des humains. Voilà, c'est censé être traité par des ordinateurs, mais donc ce qui est important, c'est que en fait, donc toute la partie jaune, c'est la signature cryptographique, et la partie verte, c'est l'identifiant de domaine. Et la partie rouge, c'est j'ai oublié comment ça s'appelle.
Et donc l'idée, c'est que vous pourriez avoir plusieurs clés pour votre organisation. Donc par exemple, vous pourriez envoyer des mails depuis le serveur d'origine et puis aussi le serveur de backup par Google pour certaines campagnes marketing. Et donc chacun de ces domaines peut changer ce paramètre. Donc le destinateur doit faire une requête DNS dessus et dans ce cas-là, il obtiendra la clé publique et il utilise la clé publique pour vérifier la signature. Donc ça a l'air assez sympa. Alors le problème, c'est quoi? Alors, déjà, comment on l'utilise? Donc si vous comprenez la cryptographie avec la clé publique, c'est assez simple à comprendre. Donc l'expéditeur génère une clé privée, une clé publique, il publie la clé publique dans le DNS et utilise la clé privée pour signer les messages dans le serveur sortant. Et donc le destinateur, il requête la clé publique dans le DNS, il vérifie la signature de l'expéditeur et il vérifie la signature. Alors quel est le problème? Alors, le problème, c'est que il peut y avoir plusieurs sélecteurs. Parce que quand vous faites la configuration de DKIM, vous pouvez choisir autant de sélecteurs que vous voulez. Et le destinateur ne peut pas savoir lequel de tous ces descripteurs DKIM on aurait dû utiliser. Alors, bon, modifier une signature d'Ekim, c'est évidemment difficile, mais ce qui est assez facile à faire, c'est de l'enlever, tout simplement. Parce que, dans ce cas-là, le destinataire n'a aucune idée qu'il aurait dû y en avoir un. Parce que, pour vérifier la signature, il faut connaître l'identifiant de domaine en vert, le sélecteur, etc., qui sont dans le header. Donc ça, c'est quand même un problème assez énorme. Et ça veut dire que donc on ne peut pas usurper DKIM lui-même, mais on peut juste enlever DKIM, l'enlever du message, envoyer le message sans DKIM, et puis dans ce cas-là, ça va marcher. Alors, un autre problème, c'est ce sélecteur de domaine. Pourquoi on en a besoin, en fait? Parce qu'il y a le champ envelope sender. La bonne pratique, ce serait que ce serait égal à from et que ce soit aussi égal au sélecteur de domaine. Et le problème, c'est que... En fait, c'est pas mentionné dans la RFC que ça doit être le cas. Donc, ce qui se passe exactement, c'est que ça peut... Enfin, parfois, ça se passe comme ça. Donc, par exemple, si vous regardez à droite, donc il y a le vrai domaine. Donc, ça, c'est celui de Google Apps, Google Suite. Et par défaut, Google Suite va signer tous les emails sortants. Et si vous ne faites pas votre propre configuration, il va le signer avec leur domaine interne, qui est GAPSSMTP. Et bon, on voit juste que ça est signé par DKIM, mais d'une manière qui ne permet pas de remonter à l'origine. Alors qu'est-ce que le destinataire doit faire? Est-ce qu'il doit rejeter le message, l'ignorer? Bon, alors évidemment, la politique la plus... correct, c'est pas de l'ignorer, peut-être de le considérer comme un peu invalide. Alors, donc la partie intéressante, c'est une modification de DKIM. Bon, là, j'aurai pas trop le temps, mais l'idée, c'est que de temps en temps, on peut modifier DKIM. Donc, la partie la plus simple, la chose la plus facile à faire, c'est de modifier les headers. Parce que comme DKIM se met dans les headers, il ne va pas signer tous les headers. C'est un peu l'œuf et la poule, hein, évidemment. Donc, en fait, on peut spécifier plus de headers que ceux qui doivent être signés. Et donc, pour l'attaquant, le plus facile, c'est d'ajouter un header. Et même... Si la RFC que j'ai dit avant dit que certains headers, donc subject, prom, etc., doivent une seule copie, en fait, on peut en ajouter d'autres. Par exemple, plusieurs from. Et donc, ce qui se passe, c'est assez intéressant. Parce que DKIM match,
Et Dekim va signer le premier en tête en partant du bas. Mais en fait, le client email, en général, il va afficher à l'utilisateur le premier en tête en partant du haut, de l'autre côté. Alors l'attaquant, du coup, peut usurper ses headers en jetant d'autres en haut. Alors ce problème est mentionné dans la RFC de Dekim. Et ils ont une protection qui s'appelle la sursignature, mais bon, elle n'est pas implémentée en pratique. Et donc, modifier le corps du message, ça, c'est vraiment plus difficile à faire parce que naïvement, on devrait le faire par cryptographie, bon, ce que vous ne voulez pas faire. Et en fait, on peut le faire d'une autre manière, c'est avec un autre paramètre qui s'appelle la longueur du corps du message. Par exemple, quand on fait de la signature, ça veut dire que quand on fait la signature, on ne regarde pas tout le corps du message, mais juste une partie. Bon, en général, c'est pas très utile, mais bon, donc les logiciels d'email, ils vont pas faire ça. Et s'ils le font, ils vont commencer à être vulnérables à cette modification du corps du message. Par exemple, on pourra ajouter un type MIME à la fin, et puis en afficher un autre. Et voilà. Donc, maintenant, la troisième technologie, donc, qui s'appelle DMARC. Donc, évidemment, il y a un nom plus long également. Donc, dans ce nom, il y a deux mots-clés, le reporting et le respect et la conformance. Donc, le problème dans ce cas, c'est qu'on a besoin de dire à l'autre partie ce qui doit se passer. Par exemple, une fois par jour. Et en fait, un attaquant pourrait utiliser ça pour essayer de comprendre quel type de configuration vous utilisez. Mais l'autre partie, la conformance, c'est très utile. Donc, d'abord, Dekim a ce problème majeur que si on enlève juste des headers, le destinateur n'a pas de moyen de savoir qu'on utilisait Dekim. Donc, DMARC règle ce problème parce que ça veut dire que au moins l'un de SPF ou Dekim devrait passer. Donc, ça modifie la sémantique pour SPF parce que ça veut dire que si on a SPF et DMARC, alors les vérifications adéquates devraient être effectuées. Alors que si on utilise SPF seul, on va pouvoir modifier des headers et le destinataire ne le saura pas. Donc, la syntaxe est minimale à nouveau, donc elle est facile à comprendre. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est créer un seul enregistrement. Donc si on n'a pas SPF et Dekim, mais qu'on a des marques, donc ce que ça veut dire, c'est que le domaine ne devrait pas envoyer de mail du tout. Parce que pour qu'un destinataire considère un mail valide, il faudrait que le SPF soit valide aussi. Donc s'il n'y en a pas, il ne peut pas être considéré comme valide. Donc ici, c'est ce qu'il faut faire. Donc on a d'autres tags qui sont disponibles, hein. Donc qui peuvent être bien plus longs. Mais pour les pentesters, c'est pas très très utile. Donc là, à nouveau, on a trois policies possibles. Donc non, quarantine, quarantaine ou reject. Donc, quarantine, ça veut dire que si un message devrait être rejeté, alors il va en spam. Et reject, ça veut dire qu'il sera rejeté. Donc, sur les diagrammes, on voit que même si DMARC est la meilleure de ces trois technologies, en réalité, c'est pas très utilisé.
Donc, ça veut dire qu'on peut spoofer la plupart des serveurs mail. Alors, comment on peut contourner cette protection ? Alors, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un a implémenté des marques ? Donc, tu veux dire que l'attaquant peut vraiment rien faire ? Mais en fait, non. Par exemple, supposons que quelqu'un ait implémenté DKIM, des marques, mais pas SPF. Donc ça, c'est assez, ça c'est plutôt assez pratique, c'est parce que DKIM est assez puissant et des marques obligent à l'utiliser. Donc ça, mais ça, c'est en théorie. Parce que pour protéger vos propres emails, donc côté destinataire, il faut valider l'entête et le corps. Mais en fait, si on regarde bien, par exemple, Microsoft Exchange ne le fait pas. Et par défaut, il a aucune fonctionnalité pour parser des KIM. Donc, normalement, il faudrait quand même activer le SPF. Et donc, ça c'est bien pour le testeur d'intrusion. Parce que si SPF et des marques seules sont... activé. Bon, alors c'est bien, mais en fait, comme on a vu, il n'y a pas assez de granularité. C'est en général, c'est mal configuré. Et en fait, donc dans DMARC, on dit juste que soit SPF, soit DKIM doivent être utilisés, mais il n'y a aucun moyen de spécifier que les deux doivent être utilisés obligatoirement. Et la bonne pratique, hein, ce serait vraiment d'avoir les trois. Et SPF, dedans, c'est le maillon faible. Alors, juste une minute pour le récapitulatif. Alors, il ne me reste plus beaucoup de temps. Désolé. Alors, ce qui est vraiment important, c'est quand on teste le système, il faut étudier tous les deux scénarios. Pas juste... donc, par exemple, si vous testez Alice... l'organisation d'Alice, votre client, il ne faut pas juste se concentrer sur les emails envoyés, mais il faut aussi tester l'autre sens. Parce que ici, vous voyez que c'est facile d'implémenter des SPF et des marques parce que il faut juste une configuration DNS. Mais le tester, le valider proprement, en fait, c'est plus compliqué. Parce que pour le premier, il faut qu'il y ait du support logiciel. Et ce qui peut se passer en pratique, c'est qu'il y a plein d'organisations qui auront des marques et SPF et qui ne l'ont pas correctement validé. Bon, alors, désolé, j'ai pas de temps pour ça. Donc, voilà, on va s'arrêter là. Merci Andrew pour ce talk. Et oui, effectivement, on a le temps pour quelques questions. Donc je vois quelqu'un au micro 2. Bonjour, merci beaucoup. Est-ce que vous connaissez de bons outils pour monitorer tout ce qui se passe en termes de démarque ? Alors oui, c'est vraiment une bonne question. Comme j'ai dit, on préconise vraiment de l'activer, mais bon, à ma connaissance, tous les outils disponibles sur Internet collectent des données et qu'ils utilisent pour d'autres besoins. Et en fait, c'est pas une très bonne idée pour la vie privée. Donc, il faut faire un truc soi-même ou autre chose. Ok, micro 1, s'il vous plaît. Merci pour la présentation. Donc, je me considère comme ce que vous avez décrit comme un admin mail. Donc, des fois, j'ai besoin de raccourcir des enregistrements SPF. Et ce que j'ai tendance à faire, c'est d'enlever la partie PTR. Mais vous dites qu'elle est utile. Donc, comment vous faites pour raccourcir vos SPF et particulièrement pour le PTR ? Réponse. Alors, ça dépend vraiment de votre besoin. Parce que, bon, selon...
Parfois, la régulation impose un long SPF et il n'y a vraiment aucun moyen de le contourner. Alors, dans ce cas-là, vous avez utilisé include, mais alors, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une macro, donc ce n'est pas expandé. Et bon, du coup, là, ce que je suggérerais, c'est de revoir est-ce qu'on a vraiment besoin de tous ces enregistrements, parce que, à moins que vous soyez Google ou quelqu'un comme ça, en fait, vous n'avez pas besoin de ce très très long SPF. Mais là, c'est probablement une erreur pour beaucoup d'organisations. Ok. Well, just briefly, number one. Donc, à propos de l'enregistrement PTR, j'ai cru comprendre que c'était pas dans le standard. Si, c'est dans le standard. C'est dans le cas d'utilisation, j'ai pas vraiment. Enfin, je pense pas que ce soit enlevé automatiquement. Alors, micro 6 derrière. Alors, merci pour votre présentation. Alors, si un serveur mail accepte les enregistrements des KIM, SPF, des marques, etc., mais par exemple Google, pour beaucoup d'organisations, il est classé en spam et la boîte de réception n'est pas affichée. Alors, est-ce que vous avez une solution à ce problème contre Google? Donc, j'ai des choses à dire à ce sujet, c'est que Google sont vraiment très scripts, donc et ça vient du fait même qu'il y ait beaucoup de cas où les SPF sont mal configurés, et Google va pas accepter votre mail s'il a pas de SPF. Donc dans mon travail, je préférerais que Google fasse ce qu'il fait. Google a les outils nécessaires. Et vous avez besoin de traiter ce problème au cas par cas. Parce que même si vous avez ce DKIM, ce DMARC installé, ils ne sont pas configurés correctement. Ou alors ils sont configurés correctement, mais il y a quelques erreurs. Alors, une question de l'Internet. Alors, quand on essaye de vérifier une erreur, une adresse, comment gérer les erreurs de type no reply? Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Alors, quand on essaye de vérifier une adresse, comment gérer les adresses de type no reply? Alors, si j'ai bien compris, c'était à propos du header no reply qui n'existe pas. Comment gérer des mails en no reply? Donc, je vais essayer d'expliquer ça selon ma compréhension. Donc, ce qui arrive souvent, c'est que le mail va être envoyé depuis une adresse inexistante. Donc, le fait qu'il y ait une adresse en no reply, c'est pas le problème en soi. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de telle adresse, en fait. Donc, en fait, j'ai pas vraiment de réponse pour ça. Parce que si on s'en tient à la RFC, on devrait quand même l'accepter. En pratique, beaucoup de systèmes mail drop ces mails-là. Et il va pas être possible d'envoyer de mails depuis ces adresses. Donc, si c'est votre situation, créer l'adresse en question. Si, dans le cas contraire, vous recevez un mail de telles adresses, faut vraiment que vous vérifiez, essayez de contacter l'organisation. Et qu'est-ce qui se passe si on drop ces mails? Mais selon les RFC, vous devriez les recevoir et les traiter. Ok, microphone number 4, please. Alors, micro 4, alors merci pour cette présentation. Est-ce que vous connaissez tout courant d'efforts pour résoudre le problème des gros serveurs d'email? Parce que
Donc dans beaucoup de cas, vous pouvez juste pas les contacter. Donc en fait, ils savent pas exactement comment faire. Ça fait partie de ce qu'on essaie de faire. Si vous avez ce problème ou une grande compagnie est concernée, essayez de la contacter. Ou essayer de passer par l'organisation gouvernementale qui va gérer ça. Par exemple, en Lettonie, c'est nous qui le ferions. Si quelque chose n'est pas parfaitement sécurisé, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Il pourrait y avoir des cas d'usage liés au business où, en fait, c'est utile. Par exemple, dans le cas d'Amazon, s'ils ont testé des configurations très strictes, ils ont pu voir que dans ce cas-là, il y aurait des mails qui passeraient juste pas. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable pour eux en termes de business. Puisque, oui, enfin, on ne va pas pouvoir se permettre de poser des problèmes en termes de business. Ok, si on a atteint la fin de ce talk. Si vous avez des questions supplémentaires, adressez-les directement au speaker. Mmh.